Amel a grandi dans la Hesse. À 2 ans, elle immigre du Maroc à la Tesse. Elle atterrit dans le 7-7, cité de la pierre collinée. Le ghetto français, c'est pas la jet set. Papa étage en nettoyage, maman femme de ménage. Amel devient adulte avant l'âge. C'est une femme dans un corps d'enfant. Quand on est pauvre, on n'est pas naïf longtemps. Seule, entourée de 4 frères, dans la misère, ça forge le caractère. C'est les années 80, l'époque est paro. Un de ses grands frères tombe dans les héros. Je te parle d'une vraie meuf de Tessie, qui a plus de vécu que tes rappeurs qui s'inventent des vies. Elle sera jamais du genre à se laisser marcher dessus. Amel a tellement pris de coups qu'elle ne les sent plus. Elle a un petit frère qui s'appelle Amine. On n'échappe jamais à ce que Dieu nous destine. Amine est fougueux, Amine n'a pas froid aux yeux. Pur produit de la banlieue, Amine joue avec le feu. Incarcéré à 13 piges, le juge l'assassine. Plus jeune détenu de France, son avenir se dessine. Amel a beau écrire au tribunal, rien n'y fera. On passe pas tous entre les gouttes comme Alexandre Benalla. Son incarcération sera destructrice. Amine vit cet emprisonnement comme une injustice. Amine vomit le système, Amine à la rage. Amine finit dans les braquages. En tout, 17 années de placard. Amel enchaîne les courriers et les parloirs. Les gens t'oublient quand on t'incarcère. Amel ne lâchera jamais son petit frère. À 29 ans, Amine est en cavale. Il cherche à échapper à un contrôle banal. Il prend la fuite, mais le flic ne lui fait pas de cadeau. Sans sommation, balle dans le dos. Puisqu'ils ont tué son petit frère, contre le système, Amel part en guerre. Le flic prétend la légitime défense, n'exprime aucun regret, fait même preuve d'arrogance. Les médias répandent la version policière. En France, personne ne pleure sur le sort d'un gangster. Ses parents vivent dans la peur, mais Amel ne lâche rien. Et elle finit par trouver des témoins. Malgré les faits et les preuves amassées, le flic est acquitté au premier procès. Choquant, même le procureur fait appel. Une balle dans le dos, ça ne peut être accidentel. Amel poursuit la bataille. Elle puise son courage au plus profond de ses entrailles. Elle s'oublie elle-même, met sa vie de côté. Elle a un mari qui l'aime, la soutient dans l'adversité. Parfois Amel a des idées noires. Un désir de vengeance inonde son désespoir. Devant l'incompréhension, des fois elle pense au pire. Œil pour œil, dent pour dent, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'elle risque de prendre un mauvais tournant, Dieu lui accorde un troisième enfant. Un petit garçon, beau, Hanin. Il lui ressemble tellement qu'elle l'appelle Amine. Sur la haine, l'amour reprend le dessus. À force de résistance, elle trouve enfin une issue. Après 5 ans de lutte acharnée, le flic est enfin condamné. Amel respire, Amel retrouve le goût de vivre, Amel désire. Amel a des projets, Amel sourit. Amel a le cœur qui bat, Amel fleurit. Plus de place pour les incertitudes, Amel reprend les études. À 40 ans sur les bancs de la fac, Amel veut devenir avocate. Elle pense aux autres, ouais. Elle n'oublie pas Amine, alors elle pense aux nôtres, ouais. J'écris son histoire pour ne pas oublier ce qu'on peut faire avec de la volonté. T'as vu, nos sœurs sont belles, immenses, c'est le courage qu'elles portent en elles. 10 ans après, fallait que je le répète, on n'est pas condamné à l'échec.
on n'est pas condamné à l'échec. On fait progresser, lutter même quand on a mal. Comme l'a fait Amen. Apprendre.